lorsqu'on est dans un milieu comme ici, c'est un lieu particulièrement magique. Avec ces sources qui jaillissent de chaque coin de la forêt, on a l'impression que sous chaque caillou, une nouvelle source pourrait jaillir. On a l'impression d'être à l'origine de quelque chose. De quelque chose qui est en gestation. La mousse aussi peut le symboliser, ou pour moi la fougère, ou ce genre d'éléments qui symbolisent des choses qui émergent. Une source est une émergence. La maison Juppé là-bas, la fauve est des jardins, mais elle est loin celle-là. Ça doit être une fauvette à tête noire qui crie, c'est pas son chant. Les pins sont des arbres. Une grive musicienne. Je crois que j'ai fait le tour. C'est plein de vie, mais c'est calme, calme de la civilisation, voilà. Avec mon père, on allait beaucoup, par exemple, au Creux du Vent, regarder les bouquetins à la jumelle. Aussi, j'aimais beaucoup me promener au bord du lac, regarder les canards. On allait en forêt, mon père il m'apprenait la différence entre un sapin rouge, un sapin blanc, un if. Et là, c'était vraiment... C'était ça, quoi. J'adorais. Il fallait que j'en apprenne plus. Dans le cadre d'un programme qui a été financé par l'Office fédéral de l'environnement pour la biodiversité, on recherche les sources. Le but, c'est de cartographier vraiment un maximum de sources dans le parc Chasseral et le parc du Doubs. Parce qu'en fait, on a vraiment en Suisse, la cartographie des sources est vraiment lacunaire. Et du coup, le but est vraiment de pouvoir cartographier ces sources pour qu'on ait une idée de combien on en a, où elles se trouvent, dans quel état elles sont, et leur importance pour la biodiversité qui se trouve à l'intérieur. Pour l'instant, on connaît quelques belles sources avec beaucoup de biodiversité dedans, mais on est sûr presque qu'il y en a d'autres et on aimerait justement les connaître avant de pouvoir les protéger. C'est intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est juste un cours d'eau qui coule avec de l'eau, puis l'eau, c'est, évidemment, c'est important, mais on ne se rend pas forcément compte qu'à l'intérieur, à l'intérieur de ce cours d'eau, on a vraiment une vie. Donc on a plein d'animaux qui vivent, qui dépendent de cette eau, dont toute une faune d'invertébrés aquatiques qu'on prospecte quand on fait la chasse aux sources. Mais on a aussi plein d'autres animaux qui sont liés à l'eau et également à ces sources. Là, on voit qu'on a des éphémères, donc c'est des petits invertébrés aquatiques, donc des larves d'insectes.
poursuite. Ceux qui passent très très vite, ce sont des gamars. Donc c'est des sortes de petites crevettes qui sont très intéressantes parce que si on les trouve dans une source, ça signifie en fait que la source elle est permanente et que l'eau elle est en continu. Là c'est une éphémère et là on a le plécoptère. Les plécoptères, c'est très intéressant parce que là, c'est des espèces qui sont assez sensibles à la qualité d'eau. Donc si on les trouve, ça veut dire qu'on a une assez bonne qualité d'eau. Et ensuite, on a aussi les trichoptères, donc c'est ces petits insectes qui font des fourreaux, ces petites larves qui ont des fourreaux. Et on voit juste leur tête qui sort et puis qui se balade un peu comme ça avec leur fourreau sur le dos. Ça peut être ma région et puis je pense assez bien la connaître, mais malgré ça, ces sources nous envoient dans des coins où on n'est jamais allé et on serait probablement jamais allé. J'arrive, première chose que je regarde c'est le relief, c'est le plus simple à voir. Si on voit directement un vallon creusé, ben, souvent il y a un ruisseau au fond. Après, il y a la végétation qui aide beaucoup, qui se voit de loin. Elle est nettement plus différente quand il y a de l'eau. Et puis après, à l'ouïe aussi, si on entend un ruissellement, ouais, il faut se balader le plus possible et puis y aller à l'instinct. Là, c'est plus visible depuis le bas, mais en fait, on voit très bien que c'est un vieux lit de ruisseau, mais à sec, mort. Et puis, j'ai essayé de remonter le plus haut possible et il y a un tuyau, là. Donc ça a été capté et je viens de voir qu'il y a de l'eau qui coule en bas. Donc je vais essayer de suivre le tuyau et puis suivre l'eau qui coule et puis peut-être que les deux arrivent au même endroit. Puis ouais, j'aviserai après. Les sources sont différentes. C'est vrai, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Après, parfois, on trouve rien. Et puis, parce qu'elles ont grandement diminué ces derniers temps. Et puis, il y en a de moins en moins. Elles sont quand même vachement importantes. Enfin, c'est des écosystèmes spéciaux qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai l'impression que le nombre d'exemples d'écosystèmes rasés ou bétonnés, etc., sont plus nombreux et plus conséquents que des exemples de projets comme ça qui voient le jour. C'est facile de bétonner un champ, ça prend une journée, et puis c'est des grosses pertes. Mais pour faire ce travail des sources, c'est des mois et des mois, et puis je sais pas combien de bénévoles. Donc proportionnellement, j'ai l'impression qu'il faut aussi plus d'efforts pour revenir en arrière, corriger nos erreurs, etc. Tout commence sur les cartes. Le plus simple, c'est de repérer les ruisseaux qui existent déjà. On peut les remonter jusqu'en haut. Par exemple, ici, on voit qu'il y en a un qui démarre. Alors, je le marque plus explicitement avec un triangle en haut pour la zone de source et puis le début du ruisseau. Ça, c'est le plus simple. Après, on peut aussi faire la même chose, mais sur des anciennes cartes. J'ai pris par exemple la carte Siegfried, première édition, où on voit par exemple ici qu'il y en a un qui coule. Alors, je le marque aussi d'une autre couleur. J'ai un code couleur pour tous les types de sources. Sinon, il y a encore les zones noires, c'est des témoignages. Il y a pas mal d'anciens du village qui disent « Ah, de mon temps, quand j'étais jeune, il y avait une source par là, etc. » Alors on va les chercher. Bonjour. Pauline. Michel. Bonjour. Daniel. Hello. Je travaille
sur le premier parc, ça sera le Doubs. Et en fait, on fait un inventaire des sources dans la région. Et je me demandais si vous saviez pas environ, vous connaissiez pas des sources dans la région, par chez vous. Oh, il y en a quelques-unes. C'est vrai, dans le village où... On en a déjà une qui coule ici, toute proche. La fontaine. Voilà, c'est la fontaine. C'est une source qui est prise juste ici en dessus derrière. D'accord. Et puis on en a une autre de source qui est le long du mur du cimetière. Là, il y a l'entrée qui est juste vers le portail. Puis qui alimente toutes les fontaines qui sortent de l'autre côté de la place devant l'église et puis D'accord, dans le centre du village. Donc c'est vraiment cette source qui alimente toutes les... Toutes ces fontaines-là, elles sont alimentées là. Ouais. Justement, le petit ruisseau, la petite source de la Talgonne, il y a un endroit merveilleux. C'est-à-dire qu'on a une petite cascade qui est alors 14-15 mètres. Et en dessous, ça fait un joli petit bassin. Vous êtes au milieu de la nature, il n'y a personne. Vous allez vous baigner tout nu. C'est le paradis absolu. Ça, c'est notre petite source. La mienne, en tout cas. Faut pas le dire trop fort. Je suis tombée sur personne quand je suis montée. Non, mais c'est quoi pour méditer qui est fabuleux. Vraiment ouais. Aussi. Et on a aussi une source étonnante. C'est la source du Chertan, qu'elle coule tous les 100 ans. Ah, elle sort de terre depuis la combe, mais on ne sait pas d'où elle sort. Tout d'un coup, elle sort. Alors, les anciens supposaient que c'est un vieux puits ou un siphon quand il est trop plein, puis tout d'un coup, qu'elle sort. Puis ça coule comme une rivière quand elle sort. La dernière fois qu'elle a coulé, c'était le 6 avril 2006. Et les anciens disaient justement quand elle sortait que ça serait pour un mauvais présage. Alors, elle est sortie en 1914. En 1914, on a eu la guerre. En 2006, heureusement, on n'a pas eu de catastrophe quand elle est sortie. C'est juste les champs qui ont eu des catastrophes. Là, on le voit bien, elle descendait le chemin quand on va au Brunberg. D'accord. Alors, elle traversait le chemin, puis après, elle redescendait. Là, on voit où c'était inondé. Là, on voit tous les cailloux qu'elle a charriés. Ah ouais, quand même, ouais. D'accord. S'arrêter en fait dans le champ quoi. Non, elle a continué. Ah. Vous voyez les cratères qu'elle a fait. Des crevasses de 4 mètres. Oh, purée. Au moment où on arrive, lorsque, sortant de la voiture, on fait le chemin jusqu'ici, on est encore dans ce monde humain, avec les préoccupations qui peuvent être les nôtres. Et peu à peu, tout le travail, notamment si on veut faire un travail photographique en macrophotographie comme je fais, tout le travail va consister à entrer en immersion. C'est-à-dire, lorsque on est sur le site, il y a toujours un moment de préparation pour trouver déjà une respiration. Et puis, c'est un travail qui doit être en phase avec ces êtres qu'on va observer, c'est-à-dire ces insectes. Ils ont, eux, leur respiration. Donc, il s'agit d'être capable, au moment où on fait le cliché, par exemple, d'observer si l'insecte est stressé ou pas, s'il est calme, si j'ai le temps de faire une photo, ou si je peux m'attendre à ce que dans 10 secondes, il s'envole. De prime abord, c'est vrai qu'à vue humaine, si on prend les plecoptères, ça n'a rien de très séduisant comme espèce.
pour la plupart des gens, c'est des mouches, enfin, ou des moustiques, ce genre de choses. On est sur des dimensions à peu près similaires. Donc effectivement, c'est l'insecte qu'on écrase sur le revers de sa veste. Par contre, à partir des clichés, on arrive à dégager des formes, des couleurs, des nuances qui sont tellement étonnantes, qui nous donnent un petit peu une idée de la richesse, de la diversité des choses. Donc on est sur des choses qui sont très sensibles et en sens là passionnantes. On est sur des insectes qui sont des bio-indicateurs. Il suffit d'une micro-variation ou du climat ou de la qualité de l'eau ou de l'ombrage. Enfin, tous les critères sont tellement multiples que c'est difficile de savoir exactement tout ce qui entre en jeu là-dedans. Mais une micro-variation va faire que l'espèce peut disparaître du lieu. Chaque année, j'ai l'impression de voir moins en nombre, assez clairement. C'est évidemment pas scientifique, hein. C'est mon regard, mon ressenti par rapport à ça, mais il y a une déperdition assez grande et les biologistes qui travaillent avec moi sont assez alertés sur la disparition de nombre de ces espèces. Mais on peut effectivement imaginer qu'un quart ou une moitié de ces espèces sont grandement menacées maintenant. Pas si longtemps, moi c'était un problème, l'eau ici, mais c'était une préoccupation, c'était pas évident, c'était difficile, il n'y en avait pas, le Jura il n'y a pas de cours d'eau ici en haut. Le système karstique. Voilà, système karstique, donc toute l'eau s'infiltre dans le sol, il n'y a pas de cours d'eau, et puis se procurer de l'eau c'était difficile. Et il y avait des périodes d'été où c'était très sec, c'était franchement pénible. Mes oncles, mes tantes qui sont nés ici, dans la maison, mon oncle, le Pierre Boyard, le mari de la Renaude, on l'appelait le Bouèche, il me raconte que les étés secs, c'était pas rare que le puits soit tari. Et puis, c'était branle-bas de combat, on mobilisait tous les enfants, on prenait des seaux, des récipients, et puis on devait descendre. Ils devaient descendre jusqu'à la combe des Bœufs, là en bas, direction de la combe, il y avait une source. Et puis, il devait remonter l'eau, parce qu'il fallait de l'eau pour le ménage, il fallait de l'eau pour les gens, mais il fallait aussi de l'eau pour les bêtes. Donc, une vache, ça boit quand même pas loin de 50 litres d'eau par jour à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Mais il faisait ça. Une grande partie de la journée était consacrée à ça, à déménager de l'eau. Alors, imagine le soulagement quand la pluie revenait et puis que le puits se remplissait de nouveau, hein. La moindre des sources ici était connue, c'était un bien extrêmement précieux. Le fait d'habiter en campagne, mal desservi par les transports publics, et puis... un peu retiré de tout, ça aide à se rapprocher de la nature. Déjà, en fait, ce qui est assez sympa, c'est que pour faire plus pratique en habitant ces régions, on arrive à quelque chose de plus écologique.
Par exemple, on a un grand jardin, on récolte tous nos légumes. C'est ma mère qui s'occupe de ça, et puis on arrive à être autonome au niveau des légumes. De temps en temps, on achète une aubergine ou un truc comme ça. Mais sinon, on arrive à avoir des légumes pour toute l'année. Le pain, on le fait nous-mêmes. Ma mère étant boulangère-pâtissière, elle fait tout elle-même, les pâtisseries, pain et compagnie. Et puis pour faire le pain, elle utilise des grains qui viennent de la région. Et puis elle les moue, elle fait sa farine elle-même aussi. Et puis ouais, du coup, il n'y a plus que des choses comme les pâtes, quelques boîtes de conserve de temps en temps, des choses comme ça qu'on achète. Ce qui nous permet de faire les courses une fois par mois, gros maximum. Puis le reste du temps, ne pas descendre dans la vallée ou ailleurs. Puis être autonome. Ouais. Il est curieux de tout. Il adore aller dehors. Puis quand il en a marre, il adore aller trinquer son sac à dos, son vélo, et hop, en nature. Il était tout bébé, il voulait pas qu'on le rentre. Il gueulait tout ce qu'il pouvait à 3 mois parce que je rentrais la poussette. Il faisait un froid de canard au mois de novembre, il gueulait tout ce qu'il pouvait. Alors bon, j'ai laissé la poussette dehors, il avait une bonne peau de mouton. Dedans, ça lui allait pas. Tout petit déjà. Tréger, ça veut dire c'est du patois local, donc jurassien. Et puis ça veut dire aller dans la nature, enfin aller vagabonder un peu. Une trège en patois, c'est le chemin qui est laissé par les animaux. Par exemple, un blaireau, quand il passe toujours à la même place, il laisse à force une trace, c'est ce qu'on appelle une trège. Je pense que la biodiversité est en déclin général. Il y a des projets comme ça qui permettent de la refaire augmenter localement, mais on est de plus en plus sur terre, donc plus en plus de surface agricole, plus en plus de surface habitée. Il faut grappiller quelque part, puis ça tombe sur la nature, forcément. J'espère qu'on va pouvoir préserver toute cette nature et puis qu'on pourra cohabiter tous ensemble. Mais j'ai l'impression que ça va dans ce sens-là de plus en plus. Préserver les milieux, on connaît mieux, donc on arrive mieux à protéger aussi. C'est le but aussi un peu de la chasse aux sources, qu'on va connaître pour pouvoir protéger. Toujours un petit espoir, 2-3 exemples de choses qui vont mieux, des écosystèmes qui revoient le jour, des protections qui ont lieu, etc. Mais ouais, du coup, je scie un peu entre optimisme et pessimisme, mais je suis plus souvent du côté pessimiste.
Si on se place à échelle humaine, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi être optimiste. Maintenant, on peut avoir un autre regard, qu'on retrouve justement lorsqu'on est en immersion dans ce genre de lieu, qu'un regard qui met en perspective à plus grande distance les choses, et si on prend un regard à échelle de nature et non pas de l'homme. Moi, je suis tout à fait optimiste. C'est-à-dire, la nature, elle est belle, elle va continuer d'être belle. Il n'y a pas de problème, avec ou sans l'homme.